vraiment parti? Ah, j'arrive pas à le croire. Je trouve à tout prix de la monnaie. Allez, allez, oh, c'est pas vrai. Désolé, le temps qui vous était imparti a expiré. Bonne journée, revenez vite jouer à Démentor sur Megacorp. Imbécile! J'avais presque atteint le niveau 7. Oh. Hé, j'ai une idée. Félix ne refuse jamais de me prêter de l'argent. Oui, je lui en emprunte un peu et bingo, je retourne au jeu. Oh, attention à toi, Démentor, ton destin t'attend. Jouez à Terreur tibétaine, le nouveau jeu sur Megacorp, et vous serez... Mighty Max, le monde a besoin de vous. Virgile? Mais qu'est-ce que tu fais dans cet ordinateur? Je vous attendais, comme d'habitude. Dépêchez-vous, je vous en prie. Prenez la porte à l'ascenseur 6. Mais j'ai rendez-vous avec des mentors. Ce n'est qu'un simple jeu. La menace qui pèse sur nous est une réalité. Une dure réalité, Mighty Max. D'accord. Moi, j'ai pas besoin d'argent pour être Mighty Max. Et les Tigers de Dallas vont rencontrer les Bulls de Chicago. Les Pom Pom Girls font leur démonstration devant le public enchanté. Merci. C'est à vous, ce pompon? Par ici, Mighty Max. Royal, des super places. T'es abonné? Alors, c'est quoi l'histoire? C'est ceci. On dirait un démentor. Oui, eh bien, quoi qu'il en soit, il s'est temporairement matérialisé et perturbe dangereusement la nature et tout ce qu'elle comporte. Voilà la raison de ce message urgent dans vos jeux. Dis-moi, comment est-ce que t'as pu faire? Ne me dis pas que les anciens lémuriens avaient des jeux vidéo. Bien sûr que non. Si vous appreniez les mathématiques lémuriennes au lieu de jouer à ces jeux quelque peu gamins, vous sauriez que le destin au carré multiplié par la puissance de X... Virgile, Virgile, le monde ne va pas s'arrêter parce que je ne connais pas la valeur de X. En plus, les jeux entraînent des réflexes et développent le sens de la stratégie. Des atouts indispensables pour le sauveur du monde que je suis. Dites-vous que vous en aurez bien besoin pour affronter ce défi, Mighty Max. Ce sport est primé. Moi, j'adore. Mais ce serait peut-être mieux avec une épée. Alors, Mika pense qu'il peut s'attribuer mon démentor, c'est ça, hein? Ils ne pourront rien maîtriser, ils ne pourront que se battre. À peine l'avais-je créé qu'ils ont reformaté une disquette, ces voleurs. Bienvenue à la banque informatique personnelle de Megacorp. Veuillez entrer votre code d'accès. Je suis désolée, ce code n'est pas autorisé. C'est du piratage. Rendez-vous au poste de police le plus proche. Je vous souhaite une bonne journée. Il me faut à tout prix la cellule Maleficium de Megacorp. C'est la seule chose qui me permettrait d'avoir assez de puissance pour contrôler mon virus. Le virus de Scelobernicus. Waouh! Le siège international de Megacorp. Bon, bah, tu sais, hein, il fallait au moins un gratte-ciel pour leur présenter. J'ai pratiqué un petit retour dans le temps pour analyser les variables et j'en ai conclu que cette possibilité est acceptable. En d'autres termes, vous avez raison. Oh, ça ne doit pas être désagréable de passer sa vie dans les jeux vidéo. Wow, t'es ici pour la promotion de Warriors Wars? Je ne me montre pas en public. Hé! Et savez-vous qui a créé les Démentors? C'est moi! Waouh! Le mat total! Je suis JC Méga, le méga de Megacorp. J'invente et je crée les meilleurs jeux. Espèce de sale menteur! C'est moi qui ai créé des mentors. Tu me l'as volé, JC Méga! Et je vais te supprimer! Et ta propre cellule Maleficium va m'aider à le faire, tu verras! Gardien!
Arrêtez immédiatement cet humain! Humain? Pas tout à fait. Royal, c'est un hologramme! Fantastique! Il me faut ce programme! Erreur! C'est le programme qui a besoin de toi. Qu'est-ce que tu m'as fait, Kurtz? Je ne suis plus Marlon Kurtz, je suis Skello Bernicus. C'est la méga relation entre ces deux fous d'ordinateur. Cette créature transforme la réalité. Il va falloir l'arrêter. Et comment? Tu peux combattre un hologramme? Je suis joueur. Je suis prêt à me battre. Ça va, c'est pas trop dur, Norman? Il est très fort, c'est pas terrible pour moi. Ces électrons ont maintenant acquis la masse critique. Il peut contrôler la matière. On peut dire qu'ils sont branchés à ordinateur, ceux-là. Tu y seras aussi quand je t'aurai entré dans le programme. Tu crois que tu peux les arrêter, Norman? Y'a pas de problème. Y'a peut-être un problème. On a perdu. Digitalisation, reconfiguration, reprogrammation. Norman, coupe ce poteau électrique! On a dû détraquer le programme de ce dingue! Je ne suis pas du tout dingue! Je suis Skello Bernicus! Inutile! Merci, Mighty Max! Une seconde de plus et j'étais transformé! En poulet électrique! Oui! En volatile électrique, si vous permettez. Ah, le virus se reproduit. Je ne suis plus un être humain. Je suis un dieu. Un dieu digital. S'il te plaît, reviens à la réalité, mon gros minet. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. C'est lui? Non, il est là. Apparemment, il est partout. Et à Paris, une créature extraordinaire a complètement transformé l'Arc de Triomphe. Aux dernières nouvelles du soir, un fou digitalisé a attaqué Londres. New York, un terroriste électronique a changé l'Empire State Building en images informatiques. Mais bien sûr! Il est entré dans le réseau mondial des ordinateurs. Il peut aller partout. Il va à la vitesse de la lumière. Oh, en utilisant le théorème lémurien des probabilités, j'ai pu localiser sa prochaine destination. Nous avons quelques petites minutes pour y arriver. Et qu'est-ce qu'on fera quand on y sera? Ça, Mighty Max, c'est à vous de décider. En utilisant les théorèmes de Max des probabilités, je dirais qu'on va avoir de gros problèmes. Virgile, ça devient pénible, il faut faire quelque chose avec ces portes. Oh mon Dieu, la roseraie de la Maison Blanche. Et apparemment, nous arrivons trop tard. Tu as bien dit la roseraie? Je vous en prie, Mighty Max, nous avons mieux à faire que de cueillir des tulipes. Une tulipe dans une roseraie, Virgile. Une tulipe dans une roseraie, t'entends? Oui, je ne comprends pas. Oh mon Dieu, les services secrets.
Non, normal, on n'attaque pas les gens des services secrets, non, ça ne se fait pas. D'accord, j'ai compris, fais-moi confiance. Celui qui a dit deux têtes valent mieux qu'une n'a jamais vu ce gars-là. Virgile, s'il y avait une porte, ce serait super. Absolument, voyons un peu. Suivez-moi. Moscou, la place rouge, Nathalie. Il semblerait que Skello Bernetus soit déjà passé par ici. D'après mes calculs, s'ils sont exacts, et ils sont toujours exacts, il est capable d'infecter le monde entier avec son virus en moins de 3 heures. Le temps est essentiel. Oh, mais des frites françaises, ici? Oh, mais bien sûr! D'abord la tulipe, et ensuite les frites, ça y est, j'ai compris. Franchement, Mighty Max, votre fascination pour ces choses sans importance n'est guère appropriée. Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, je sais où trouver Skello Bernetus. Oui, mais comment? Vous avez besoin des mathématiques lémuriennes pour calculer les probabilités. Non, mais par contre, j'ai besoin de 50 cents et d'une porte. Tokyo, c'est le dernier niveau du jeu. Je n'ai pas encore atteint le niveau 7 au Démentor. Mais c'est ici que se passe la bataille finale avec le grandissime Démentor. Grandissime? C'est grand comment? Grand comme ça. Oh, je vous souhaite la bienvenue au dernier niveau de mon jeu. Et je dis bien le dernier. Non ! Il a digitalisé Norman. Nous sommes perdus. Le monde appartient à Skello Bernetus. Non. Le monde appartient au meilleur joueur. Et le meilleur joueur, c'est moi. Allez, viens jouer. T'as pas 50 cents ? Vous ne préférez pas un yen ? Je dois en avoir un, là. Vous avez vu? C'est Norman! Tout va bien, Virgile. C'est le niveau 6. Norman! Mon chat! Je n'aime pas les frites. Mange-les! Sans ketchup! Mais pourquoi doit-il manger ces choses peu appétissantes? Chut! Je sais ce que je fais et c'est bien plus efficace que tes mathématiques lémuriennes. Oui, je le savais. À ce niveau, les frites donnent la force. J'ai déjà combattu ce type. Laissez de la triche. Dans mon monde, tu dois jouer avec mes règles. Vite, Norman, sens-le. On croit rêver, c'est franchement ridicule. Virgile, les frites et les tulipes sont des marques de puissance dans ce jeu. Ils donnent à Norman la force dont il a besoin pour combattre Skello Bernetus. Oh. Merci, c'était nécessaire. Tu ne peux pas me battre. C'est moi qui ai créé ce jeu. Nous avons perdu Norman. Pas question. J'ai encore une ou deux ruses en réserve. Ah, l'oiseau secret, mais personne n'est censé le connaître, personne. Hé, hey, face de crabe osseux, même un gamin de 8 ans connaît l'existence de l'oiseau secret. T'es pas très astucieux comme programmateur, hein? Pas très astucieux, je vais te montrer que la part. Bienvenue au niveau 8. Niveau 8? Mais il n'existe pas normalement. Ah, il n'existait pas. Mais je... Virgile, il faut que tu joues. Mais je ne sais pas. Oh. Tu dois apprendre, Virgile.
Je commence à comprendre ce que c'est que d'être un pion. Je ne peux plus bouger. Virgile, Virgile, utilise les manettes, appuie sur le bouton, mais fais quelque chose. Oh mon Dieu, alors transcendant Y, je veux dire X, au pouvoir germinal de X et de Y est égal... Tes maths lémuriennes ne peuvent pas nous aider maintenant. Bien sûr que si, tes ordinateurs ne sont que des mathématiques, il suffit de les appliquer correctement. D'accord, alors dépêche-toi. Mon calcul indique que vous devez vous rendre à la base, mais comment dois-je faire? Pousse le joystick en avant et appuie sur le bouton. C'est le programme de ce jeu. Et cette informatisation en forme de cerveau doit être le virus. Tu ne peux pas interrompre le programme de Skeobermétus. Il est protégé de toute piraterie. Il faut traverser les obstacles du programme. Je ne peux pas les bouger. Sers-toi de ça. Mais tu en auras besoin pour combattre. Non. Tu ne gagneras pas. La puissance que j'ai programmée dans ce jeu est inégalable. L'heure est venue de compresser les données. Nous devons nous dépêcher. La puissance de Norman diminue. Ce n'est pas possible. J'ai perdu. C'était un vrai virus méchant, destructeur et contagieux. Ce jeu n'a pas de prix, tu ne crois pas, Virgile? Tu sais, t'avais raison, le monde aurait pu s'arrêter si on n'avait pas su à quoi il s'était égal. Et les réflexes qu'il est nécessaire de posséder pour jouer sont valables tant que ça ne devient pas une obsession. Oui, je suppose. Dis-moi, tu viens, Virgile? Oui, oui. Dans une minute. Mais c'est lui qui a dit que les jeux vidéo sont une perte de temps. Attendez, j'allais atteindre le niveau professionnel. Eh, hey, salut! Vous saviez que le premier ordinateur commercialisé fut créé en 1951. Il s'appelait Univac et occupait toute une pièce. Aujourd'hui, les plus petits ordinateurs peuvent traiter les mêmes informations, mais en un millième de seconde. Vraiment, les choses ont bien progressé. Erreur de manipulation, veuillez lire les instructions, petit maladroit. Et... Ben oui, ça m'arrive. Allez, au revoir.